20 octobre 1930. Nous avons embarqué aux portes de Boston. Entre les cimes désolées, soufflées par intermittence, des bourrasques furieuses d'un vent terrible, utilisant de petites embarcations. Nous avons fait un débarquement difficile sur l'île de Ross, peu après minuit, le matin du 9 décembre. Alors, nous avons donc décidé de diviser le groupe. Blake est parti, avec quelques-uns de nos hommes, tenant informés de ces découvertes par radio. Il disait que les plus hauts sommets devaient dépasser 10 000 mètres, qu'ils étaient plus hauts que l'Everest. Alors, j'ai enregistré ces communications, qui vous paraîtront invraisemblables. Conservé, mais par une seule numéro, dur comme cuir, mais étonnante souplesse par moment. L'effet de ce monstrueux spectacle est indescriptible. Quelque diabolique violation des lois naturelles était à l'œuvre. Les vapeurs antarctiques nous happaient. Allez! Colossal. Plus loin d'un souterrain sans bord, constellé de lumière, étrangement coloré. Mesdames et messieurs, vous savez désormais qu'il y a en Antarctique des montagnes plus hautes que toutes les montagnes jusqu'ici connues, des montagnes hallucinées, et des monstruosités les pires qu'il soit sur Terre. Ça, seuls quelques élus le savent, et ça doit rester un secret entre nous.